Bonjour. Rien dans les poches, s'il vous plaît. Les téléphones dans les sacs, merci. Aujourd'hui, je suis sur Toutatis, donc la nouvelle attraction du parc qui a ouvert depuis avril. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 19 ans, je suis opératrice au parc Astérix et je vous emmène avec moi à Toutatis. Je suis étudiante, je sors d'un BTS NDRC que j'ai obtenu et l'année prochaine, je vais en Bac plus 3, donc en bachelor, marketing digital, donc rien à voir avec le parc Astérix, mais voilà, c'est juste pour avoir un petit travail pendant l'été sympa, avec des gens sympas. Alors aujourd'hui, je suis à OPCQ. OPCQ, c'est être dans la file d'attente avec les personnes pour leur dire d'enlever leur téléphone parce que c'est interdit dans l'attraction. Leurs lunettes, casquettes, chapeaux, tout ce qui peut se trouver dans les poches. Après, je vais aller en dispatch. Donc, le dispatch, c'est juste placer les gens en fait, dans le wagon. Après, je vais aller au bac. Donc, le bac, c'est physique. On prend les sacs à dos, les sacoches, donc tout, on met tout dans le bac. Et après, on redonne les affaires aux gens le temps qu'ils fassent l'attraction. Et ensuite, je vais à l'embarquement. Embarquement qui est aussi physique parce que je dois faire rentrer les personnes, vérifier les barrières. J'ai commencé depuis le 13 juillet au parc Astérix et depuis, c'est la routine en vrai, tout se passe bien. J'ai été formée un jour sur l'attraction. J'ai été formée à tous les postes directement. En soi, c'est pas tellement dur, c'est juste il faut apprendre à communiquer avec les gens de manière simple et courtoise quand même. Pour moi, ce travail, ça m'a débloqué au niveau de la timidité parce que j'avais un gros problème à être ouverte avec les gens. Mais maintenant, ça vient tout seul. Il y a une petite qui a fait tomber sa chaussure après dans la zone d'attente, mais celle où genre, on ne peut pas aller. Ah, zone rouge. Exactement. Elle est partie dans l'attraction. L'attraction sans la chaussure. Normalement, on va la retrouver, sa chaussure. Mais du coup, elle a fait l'attraction sans. C'est pas grave. J'ai choisi de postuler au parc Astérix parce que, de base, je suis une cliente. J'habite pas trop loin et je me suis dit pourquoi pas tenter. Le recrutement, franchement, c'était étonnant. On a eu des petits jeux de rôle. Après, on était tous dans une pièce. Donc, obligatoirement, on était obligé de faire connaissance. C'était un recrutement à plusieurs, à collectif. Franchement, c'est un recrutement dynamique. Il faut être dynamique pour venir ici. Et il faut ouais. Montrer quand même qu'on a envie de venir travailler ici quand même, le minimum.